Et bonjour tout le monde! Alors, j'ai effectué certaines petites choses comme vous pouvez le constater ici, j'ai tout détruit. C'était un petit peu la galère, mais enfin bon, bref, j'ai réussi. D'ailleurs, je suis en train de me refaire des pièges. Là, j'en ai combien déjà? 25 plus 50 et quelques. Bon, j'en ai 70, un peu plus de 70. 78. Pour les pointes de salle. Et puis, je voulais également me refaire au tout début, en tout cas, fondation en bois. Puisque j'ai tout détruit, autant refaire tout ça à la main vite fait pour voir un petit peu comment est-ce que je vais placer ça. Je vais également me refaire un petit peu tout ce qui est électrique pour replacer des pièges. Il va falloir aussi que je développe aussi un peu ma défense. J'ai pris des tourelles avec moi normalement, j'en ai 4 encore supplémentaires. J'ai voulu aussi, parce que là j'ai été faire un petit tour du coup. En J12 K12 par là-bas, ici, ouais, où il y a le D d'ailleurs, J12 K12, où là-bas nous avons une ferme, enfin une ferme de c'était quoi, de houblon. Et dans la zone des marécages là-bas, on récupère quand même pas mal de houblon. Je suis passé, j'ai été faire un petit tour, j'ai un petit peu galéré sur un ennemi particulièrement, comme d'habitude. Vous savez, le gros balèze, le gros costaud là, qui nous balance des énormes rochers. C'est vrai que lui, il est pas loin de nous one shot quoi, mais bon, enfin bon bref, on verra bien. Je vais planter ici après des graines, on verra bien ce que je vais faire, mais je vais commencer déjà par la défense, car j'ai vu que sur le serveur, il y en avait qui étaient peut-être motivés de venir me voir, me dire un petit coucou, me faire un petit bonjour. Je sais pas trop comment le prendre. Je sais pas s'ils viennent juste me dire bonjour ou s'ils viennent pour sortir les armes, on verra bien. En tout cas, ils feront bien, ils font bien. Il faut bien. Du coup, je vais juste me refaire ici tout le micmac parce que là, j'ai tout relié en un. D'ailleurs, je ne les ai même pas connectés, donc c'est vite vu. On va refaire tout ça. Est-ce que j'ai les outils? Ah, faut pas. Voilà, je me disais. Je pensais que j'avais oublié ça. Donc, on va déjà commencer. On va déjà commencer par ça. Je détruis bien le câble, on est bien d'accord. Là, je détruis le câble également. Ah, mais par contre, est-ce que... j'ai pas pris les batteries, bon, c'est pas grave. Pour le moment, je n'en aurais pas spécialement besoin. D'ailleurs, les batteries, bon, là, c'est plein, tant mieux. Ici, donc, ça nécessite 15 d'électricité. J'en ai 1, 2, 3. Donc, ça fait 30, 45. Avec 45, normalement. Je devrais en avoir suffisamment. Et puis là aussi, c'est plein. Je vais pouvoir aussi supprimer ça. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Je supprime tout. Et puis, je vais voir après combien de batteries en fait je vais relier. Je vais rien dire. Combien de batteries est-ce que je vais relier? Voilà, là, c'est bien le câble. On va pas faire encore la même erreur. Du coup, là-haut, comment ça se passe? Ici, lumière insuffisante, évidemment, c'est la nuit, je sais pas. Bah, si, apparemment. Parce que ça, c'était relié à ça et ça a rempli les batteries. Donc, oui, ça a bien fonctionné. Ça, c'était relié à. C'était relié à ça également. Donc, en fait, les 6 étaient reliés à tout cela. D'accord, ça, il n'y a pas de souci. Ceux-là sont reliés à ça. Donc ce que je vais faire, parce que là, du vent j'en ai normalement un petit peu quand même, donc 61, je pourrais en alimenter. J'étais à combien? C'était à 15, donc là je suis à 30, 45, 45, 55, 60. Ouais, je pourrais en alimenter, oui, je pourrais en alimenter 4. On va dire que c'est bon. On va juste refaire quand même les câbles. Ok. Normalement, j'ai des répartiteurs avec moi. J'en ai 5, c'est parfait. Alors, là, j'ai un coupleur. Celui-là, on s'en fout. On va juste ajouter un répartiteur ici. On va l'ajouter là. Et puis on va tout ça. Alors par contre, je voulais en faire 4.
Ah oui, mais j'ai ajouté, j'en ai acheté un. Enfin, j'avais fabriqué un, mais je l'ai pas pris avec moi malheureusement. Ah non, je l'ai pas. J'ai fabriqué un de répartiteur, mais de 10. Du coup, quand même, il est plus efficace. Enfin bon, bref. On va faire comme ça pour le moment. J'en ai assez, donc je vais en mettre un autre. Je vais en mettre un autre ici. Ok. J'ai déjà connecté cela. J'ai déjà faire une chose encore. On va déjà mettre le quatrième. On va le mettre ici, ça me paraît quand même pas mal. Ok. On va également attaquer d'autres joueurs, attaquer les monstres démêlés, attaquer les monstres à distance, les monstres terrestres, les monstres volants, les monstres normaux, les monstres. Hélicoptère, véhicule blindé, attaque de char, attaque une moissonneuse. Si jamais il y en a une qui vient faire le malin, attaquer des véhicules. Et attaque mobile base d'ailleurs. C'est sorti ça. Je vais les voir d'ailleurs tout de suite ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut pour fabriquer ça. J'ose même pas imaginer. Intercepter missiles, ça c'est certain. Des monstres boss. Ça on s'en fout. Ok. Là, on est tout bon. En tout cas, là, on a quand même une bonne zone de défense. Et ça devrait quand même faire assez mal déjà 4 tourelles comme ça. Pour le moment. On verra après. Hein. On verra tout simplement une fois que on viendra m'attaquer. Comment est-ce que ça se passe? Par contre, attention tout de même. Ce bug-là, normalement, il devrait être. Ouais, non, mais normalement, ça fonctionne. Hein. Je vais quand même. Ah mais non, mais attends voir. Si 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 si, c'est juste. J'ai juste quand même. Parce que j'ai besoin d'avoir l'information, ça me rassure un petit peu plus. Là au sol. Et j'aimerais que tu me mettes ça sur celui-là. Hop. Hop. Donc là, nous sommes à 61. Ok. 75, 45, 45. Donc ça c'est bon. On va passer sur celui-là. Ici. Celui-là. Il passe là-dessus. Ensuite celui-là. Pour lui. Il va falloir aussi que j'améliore un peu mes murs. Par contre tous les câbles ne sont pas apparents. Et ça je trouve dommage. Il me semblait que c'était réglé ce problème. Est-ce qu'il y a celle qui a... Voilà, là par contre j'ai pas d'énergie. Là c'est bon. Là c'est bon et là c'est bon. Ok, donc en gros. Ou alors peut-être que... Parce que ça fait bien 30, ça fait 60 normalement. Et là nous sommes à 61. Ok, donc il veut pas. Et ce qui est bête, c'est que le câble n'est pas apparent. Si là, il est là. Ok. Je vais supprimer. Et puis, bah ma foi, j'ai pas trop le choix. Je vais passer au deuxième. Et j'ai d'autres encore éoliennes aussi avec moi. J'en ai combien? Deux de plus, je crois, ouais. Je vais en ajouter, je pense. Ou alors directement les mettre avec ceux-là. Hein. Avec ceux-là. On verra après. Parce que là, ça va faire quand même pas mal. 55, je pourrais en ajouter encore un. On verra. Je vais déjà poser ça. Ah. Oui, alors non. Il me faut juste couper ce câble. Voilà. Là, on est bon. Non, mais j'en aurais besoin de toute façon pour ajouter d'autres tourelles. Donc, en gros, une éolienne. Ouais, on est à 61 ici, 55 ici. Ouais, 55, 61, ça dépend. On va dire 55. Donc, une éolienne pour alimenter 3 tourelles. Faudrait peut-être que je me mette aussi à me faire le phalanx là.
Donc c'est l'autre qui est au fond. On va quand même commencer à gauche. Quoi? Ah. Voilà. Comme ça au moins je le vois. Voilà, énergie suffisante par contre. Ah oui, on va mettre 200 des balles parce que c'est vrai qu'il leur faut de la munition, sinon ça fonctionne pas. C'est vrai que je m'en suis fait, mais je vais devoir en ajouter. Normalement, je crois que j'ai encore de la munition qui est en train de se faire crafter. Donc ça a terminé depuis le temps. Il me reste 280 de munitions, c'est pas beaucoup. Mais bon, les tourelles vont m'aider si jamais. Ça c'est bon. Au pire, j'ai encore un petit peu de batterie ici. Il y a encore un petit peu de batterie là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que j'en ajoute ici? Pour la défense. Non, là, ça va pas le faire. Il faudra que j'ajoute des tourelles là-bas surtout. Au cas où ils essayent de venir et de s'approcher par je ne sais où. D'ailleurs là-bas, il y a un mur qui est en train de se bousiller. Il va falloir que je fasse attention à ça. Il faut également que j'améliore les murs. Les murs, j'en ai maintenant. Des murs en béton, j'en ai pas mal. Allez, on va passer de l'autre côté. Il faut que j'améliore un petit peu tout ça. Et je sais que certaines personnes regardent mes vidéos justement qui sont sur mon serveur. Donc du coup, ils savent exactement où seront passées les tourelles, et puis ils sont en train de se dire, hey, mais par là-bas, là, c'est libre, en plus on est même à couvert, c'est pas mal. Donc il va falloir que j'ajoute des tourelles là-bas. Tout simplement. Est-ce que j'ai assez de bois pour me faire des escaliers là? Hop. Allez. Juste pour ça m'évite de sauter, je sais pas pourquoi avant je galérais pas comme ça, ouais, bon, bah, voilà. Mais puisque c'est en construction maintenant, je le mets directement, c'est bon. Je ferme quand même la porte, on sait jamais ce qui peut arriver. Ah oui, mais là j'ai pas terminé en fait. La plus je suis pas assez haut, donc il va falloir que je sois plus haut. Et puis ici, ouais, ici c'est un petit problème quand même. J'ai de la chaux, mais oui, si, j'ai de quoi réparer. Il va me falloir. Alors ici, je vais pas pouvoir poser deux tourelles tout de suite. Ok, c'est pas un problème. Je ferai ça la prochaine fois. On va passer à autre chose du coup. Sauf que d'abord, voilà, en plus c'était pas loin d'être détruit, hein. Et puis là, va falloir que. Ah mais ça risque d'être un peu short. Parce que le mur, il arrivera jusque là, jusqu'à la porte en fait. La porte, il va falloir que je la pose ici. Ouais, je vais faire ça. Je ferai ça la prochaine fois. Ensuite, donc ça c'est alimenté. Il y a de la munition, c'est tout bon. Ici, je voulais voir, est-ce qu'on a la base directement ou pas? Non, on n'a pas. D'accord. Ah si, elle est là. Elle est là. La base mobile. Donc il nous faut 26 pièces de véhicules lourds. 12 moteurs suralimentés. D'accord, ouais, bon, bah voilà. Ah oui, bah plus je voulais me faire des batteries en titane, mais tout le titane que j'avais, bah en fait je les ai fait en lingots, quoi. Donc bon, voilà. Pour les composants avancés, ça j'en ai, je vais pouvoir en fabriquer. Les feuilles de toxène, ça j'en ai quand même pas mal. Clé des terres, ça c'est pas un souci. Pour les moteurs suralimentés, d'accord, mais par contre il me faut 12 fois ça. Donc il me faut 60 composants, etc. Bon, ok, on verra bien. Ici, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, que du craft, donc. Ça, du cuir, du graphite. Ouais, ça va être un souci pour le graphite. Il m'en faut combien d'ailleurs? Il m'en faut 26. Ok, donc il va me falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de graphite. Donc je vais devoir brûler du bois pour me faire de la poudre. Et ensuite, avec la poudre, je vais pouvoir me faire du graphite. Et d'ailleurs, ça en demande quand même pas mal. On verra bien. Je vais juste voir déjà pour la munition. Si jamais il y a des petits malins qui viennent m'attaquer, parce que 280 munitions, me connaissant, en tirant dans tous les sens comme un furieux,
Je vais avoir besoin de munitions. Oui, là, c'est bon, j'en ai 650 en plus. Là, on est OK. Ça, c'est ce que j'ai récupéré, les balles de fusil à pipe. C'est pour le sniper, pour le moment. Je n'ai pas... Ah, mais attendez voir, je suis passé au level suivant. Je suis au level 54, maintenant. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? En fait, je crois pas que j'ai été voir ça. Ici, rien de nouveau. Mais attendez, mais sniper, j'avais pas. Ah non, c'est celui-là, fusil de précision. Ok. Ce sera pour le niveau 57. Ok, donc j'ai encore 3 niveaux à monter. Ce sera pas pour tout de suite. Le SMG chuchoteur, j'aimerais bien savoir. Ce pistolet possède une puissance de feu mortelle, mais sa cadence de tir est plus lente que celle des autres pistolets de ce type. À voir. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ici? Oui, les portes en alliage de tungstène, hein, ça va être bon. Il va falloir d'ailleurs, parce que là je suis en bonne zone d'ailleurs pour récupérer du tungstène, hein, donc il va falloir que je m'améliore là-dessus, il va falloir que je crafte ça. Autant crafter ce qu'il y a de mieux. Les barrières en alliage de tungstène, ouais, franchement, en plus c'est quoi? C'est des feuilles de tungstène pour tout. Ouais, donc il va vraiment falloir en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Support de lanceur ASM véhicule. Par contre, pour tout ça, je ne sais pas exactement si... J'avais vu, en tout cas, avec le premier char, que je pouvais tout utiliser en étant solo. Mais pour les canons AA, etc., quand on est seul, ça va être un petit peu compliqué de gérer les chars, etc. C'est vrai qu'il faudrait être plusieurs. À voir si, à un moment donné, est-ce que je vais m'allier avec quelqu'un, on verra bien. On verra bien. J'ai quoi? J'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai pas beaucoup d'éclats des terres. Sac à dos militaire pour 6 emplacements, ça c'est quand même assez sympa. Fourniture, ici on n'a rien, et puis en technologie on n'a rien. Donc on va quand même pouvoir. C'était quoi? Non, c'était ici dans le véhicule, oui. On améliore ça et on voit après monture de lanceur, SAM véhicule. Véhicule lourd, après ce sera le 55, donc le suivant, niveau suivant. On va pouvoir débloquer. Filet de pêche. Sans souci. 55 barrières de tungstène. Parfait. 56 pour les grenades collantes. J'en ai déjà récupéré d'ailleurs. Et là, on est tout bon. Ok. Ici, j'avais crafté. C'était ça que je disais. Le répartiteur d'extension dispose de 10 prises de courant. Mais est plus cher. Donc, quand ils disent que c'est plus cher, je sais quoi. Plus cher en ressources. Parce que. Ou en énergie, c'est ça que je comprends pas. Bon, on verra bien. Par contre, le grand prix puits de pétrole, il va falloir que je me le fasse. Par contre, un goût d'acier, c'est vrai que ça en demande quand même pas mal. Composant avancé 16, ça je vais pouvoir m'en crafter d'ailleurs. Là, j'ai pas mal de choses. Attendez voir que je trie tout ça. Feuilles de tungstène. Des lingots de tungstène, donc des feuilles, il va me falloir quoi? Des lingots de cuivre. Ça, j'en ai quand même pas mal. Je vais devoir me crafter également pas mal de puces de précision, etc. Mais ça, je préfère voir quand je suis tranquille. Vas-y, on va prendre 400 pour commencer. Ça, je suis tranquille. Je crois que j'avais déjà tout pris. J'en ai plus de côté. Bon, c'était pas ici, c'était là. Non, même pas. Ah, bah tiens, ça déjà. La goutte d'acier. Je vais en avoir besoin, j'avais vu. Pour ici, c'est bon, comme ça j'en ai assez. Composant avancé 16. Est-ce que j'en ai ici? Non, j'en ai 11. Il va m'en manquer encore 5. Est-ce que je peux m'en crafter? Non, pas encore. Il me faut de la fibre de carbone. Pour faire de la fibre de carbone, il va me falloir du solvant. Pour du solvant, j'ai tout ce qu'il faut. 59. Quoi? Ah oui, ok, j'ai eu peur. Mais non, mais stop, 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 stop. J'en ai plein du solvant, c'est quoi qui me manque? Des fibres. J'en ai une pété des fibres. Attends, voir. Ouais. Je prépare quand même déjà tout ça, comme ça j'oublie pas. Ça, je vais pouvoir m'en faire déjà 35. Mais j'en ai 139 ici. Et tu travailles, cagnotte? Mais comme d'habitude, hein, je suis toujours endormi, moi. Ok, là je vais pouvoir m'en faire maintenant, 26. Ok. Des pièces en céramique, ça j'avais vu que j'en avais encore là-bas. Je vais en avoir besoin. Il va falloir que je m'en crafte également. Je vais avoir besoin de silicium. Ça j'avais mis. J'en ai de côté. J'en ai de côté.
Ici, normalement, tout à fait. Trier, je vais pouvoir m'en faire de toute façon facilement. Mais c'est que ça prend du temps quand même, hein, de faire tout ça, mine de rien. Il me fallait quoi aussi? De l'argile, ça c'est bon. Et là, tu peux m'en faire 76. On est tout bon. De la chaux, va falloir que je m'en refasse. Je me suis refait également un petit stock de pierre. Vas-y, on va faire tout ça. On vide. Et puis tiens, vas-y. Pendant que j'y suis, on va prendre du sable également. Par contre, j'ai pas tout claqué. Il va falloir que j'aille encore en récupérer à la plage. Toi. Tu me fais du silicium. Toi. Non, plutôt toi. Ah, plus qu'un bois. T'en as encore pour 23 secondes. Bah t'inquiète, je vais t'en ajouter. Tu vas avoir besoin de bois. 168 déjà. Tu me fais de la chaux. Je pense qu'il pourrait en faire plus, mais c'est maximum 999. Tout sera pour la prochaine fois, c'est pas bien grave. Du coup, je disais ici 88. On a déjà fait 26, d'accord. Je préfère quand même les garder là pour le moment. Quoique, on verra. Et si je dépose ça, je vais pouvoir me le crafter en 10 secondes. Bah, c'est parfait, je vais pouvoir le remplacer l'autre. Par contre, je me demande combien est-ce que ça va consommer. Je crois que je vais devoir rajouter un générateur à diesel, quasiment certain. Bah écoutez, je vais faire ça avec vous, vite fait, et après je vais passer à la pompe à eau. Le lance-flamme, ça j'en avais crafté. Des groupes de batteries en plomb, parce que je me suis planté dans l'an, c'était bien ça. Je vais pouvoir. Mais ça en fait, je n'aurais pas spécialement besoin. Je pense. Ça oui et ça aussi. Allez, on descend. Ah oui. J'avais fait plein de poissons ici. Hop. Et là c'est tout bon. Ok. Je fais encore des épices, tout ça. Je vais juste mettre ça. Un petit peu de poisson dans le frigo en bas. On va en mettre. On va en mettre 140. Voilà. Va falloir que je me crafte également le congélateur. Alors ici, bah tant mieux. J'ai bien fait de casser tout ça. Comme ça, je vais pouvoir tout refaire ça au propre. On transfère. On bousille. On bousille directement. Et puis, on va se placer tout simplement le grand puits de pétrole. Bah, il est pas si grand que ça au final. Tant mieux en même temps. Alors. Le bouton a l'air d'être de ce côté. J'avais un peu regretté d'avoir placé comme ça la dernière fois. Ou alors peut-être que si je mettais là. En fait, tout simplement. Je crois que je vais mettre ici. Il y aura très bien là. Et puis, générateur à diesel. Alors, combien ça me consomme d'énergie? 425 points. Ça commence à me faire un peu peur. 425, oui, donc il m'en faut deux également. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est, le générateur à diesel? Ici, on va le mettre évidemment dans le même sens, histoire que ça ne foute pas trop le bordel. Non, quoi que non, on va le mettre dans l'autre sens. On va laisser quand même la place là. On pose là. J'en ai combien ici? J'en ai 313. Donc tu m'en donnes 313. Hop. On va déjà le mettre en marche. Il va me falloir un coupleur. Le coupleur qu'on va poser à même le sol. Ensuite, ça directement connecté au coupleur. Celui-là également, on va d'abord le poser au sol et ensuite ici. Et ça, hop, on va le placer là-bas. Hop. Et ça fonctionne. Allez, cette fois-ci, je vais pouvoir me faire quand même un petit peu plus rapidement
de l'huile brute, du sable, etc. Bon, du sable, je pense quand même que la meilleure technique que je connaisse, ah oui, c'est vrai que j'avais fait des polymères, j'en avais besoin pour je ne sais plus quoi. J'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de trucs à feu de craft à faire, j'ai tellement de retard surtout. Oui, les paniers de poissons, franchement, là, pour récupérer du sable, je pense que c'est quand même la meilleure technique. Je me demande si je devrais pas d'ailleurs doubler encore. J'en ai combien? J'en ai 6, je devrais en mettre 12 en tout. Comme ça, pour récupérer du sable, j'en ai besoin aussi pour du craft, donc ça va m'être très utile. Là-haut, va falloir aussi que je fasse une petite modification pour les pièges. D'ailleurs, j'étais pas obligé là-bas. Quoique 425, c'est quand même beaucoup. Sachant qu'on est à quoi? On va dire 50. Ouais, non, non, ça va faire trop d'éoliennes juste pour ça. Je préfère dépenser de l'essence dans le générateur à diesel pour ça. Enfin, bon, bref. Du coup, maintenant, ce que je voulais faire, cette pompe à eau. Il me faut donc la pompe à eau, la pompe à pression, l'arroseur, ça sera pour après. La pompe à eau, on va la poser là-bas. Il va me falloir de l'énergie de toute manière. Bah ça sera... C'est bon, je vais pouvoir le poser ici. Ça demande 5 points d'énergie. Ok, ça va être partagé ça donc. On va couper les câbles d'ailleurs là-bas. Je vais juste déplacer ça là. Et puis, où est-ce qu'il est là-bas? Hop, on va utiliser... Bah on va utiliser le premier. Je coupe bien le câble, hein. On est bien d'accord? Tac, alors... mais ça c'est une connerie que j'ai faite quand même. Hein. Une belle connerie. Mais c'est pas grave, hein. On apprend. C'est pas grave. Ça, l'arroseur machin. Est-ce que la pompe à pression... La pompe à pression, je sais pas si je suis obligé de le mettre là ou est-ce qu'il faut que je mette... Faut, bah écoutez, je vais le mettre là-bas. Hein. On va le poser ici. Ah, on peut le mettre un peu comme on souhaite. Bah, tiens, on va tester. La pompe à pression, on va la mettre là. Ok. Et il faut bien 2 points d'électricité. Eh ben, j'ai bien fait de regarder. Si je prends ça, c'est bon, c'est apparent. Ok, nickel. Il me faut donc de nouveau un répartiteur. Il m'en reste 3. C'est parfait. On va le poser. Je préfère le poser à l'intérieur quand même. Ça aussi, il va falloir que j'améliore, histoire que ce soit un petit peu plus protégé. On va poser ça là. Bêtement. On va remonter, tirer les câbles de cette éolienne. Bon, j'aurais peut-être pu... Ouais, on va plutôt le faire à l'intérieur en fait, hein, soyons logiques. Là-bas. Ah ouais. Hop. Voilà. À la porte ici, toc, tirer là-bas, jusque là, histoire que ce soit quand même assez droit, assez propre. Celui-là, au sol ici, il sera tiré directement, hop, dans le sol, dans la flotte. Ok, pompe à eau, ça c'est bon. Je vais tirer également l'autre câble jusque là-bas, comme ça c'est fait avec l'électricité. Faut que je peux poser directement au sol là. Hein. Hop. Il y a des câbles qui passent de partout. Hein. Hop. Au moins ça aussi, cette tourelle-là, elle est toujours en fonction. Nécessite 2 points. Donc là, en fait, il me dit qu'il n'y a pas assez d'énergie. Pourquoi je sais pas, peut-être que. On va voir déjà, on va déjà le placer. Mais il est où? Ah, il est en bas. Et après, on saura peut-être pour quelle raison. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Alors. Toi, hop. On te tire là. On te tire jusque là.
D'accord, donc la pompe à pression, ça sert pas à ça. À quoi ça sert la pompe à pression exactement? Courbe 12. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a une longueur max en fait. Eh! Bah oui, voilà. Ah, mais c'est peut-être à ça que ça sert justement, non, la pompe à pression. C'est du coup, je peux le tirer quoi jusqu'à où? Oh mon Dieu! Mes aïeux! Comment est-ce que je vais faire pour tirer ça là-bas maintenant? Et qu'est-ce que je fais? 170, ça va, il a encore de la munition celui-là. Ou alors peut-être que je vois pas. Ah. Attends, on va voir. C'est quoi ce machin rouge là? On peut pas monter là? Oh. Oh, je suis bête, j'aurais pas dû le placer là. Est-ce que. Ouais. Oui, c'est parfait. Bien sûr que c'est à ça que ça sert. Alors. Est-ce que j'arrive à passer là? Non. Ah, on va devoir faire le tour. Est-ce que ça passe ici? Ah, ça a l'air, non, ça a pas l'air. Non, je suis coincé. Merde. Ah, ça c'est très con. Ça c'est très très con. Ça c'est très bête. Mais heureusement que j'ai des droits. Combien la vandale? Le vandale, je sais pas s'il est nouveau lui. Bon, pour le moment, il m'a pas demandé. Ok. Escape. Non, mais. Fantôme. Merci. Hop, au revoir. Ne trop pas s'ennuyer, hein. Ouais, je sais. Je suis désolé, hein. Voilà. Mais voilà. C'est comme ça. Alors. Je disais. C'est un peu chiant quand même. Voilà, on va descendre ici cette fois. Je peux passer par là, c'est bon. Oui, là ça peut aller bien loin, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Nickel. Du coup, toi tu vas monter jusque là. Ah oui, mais bon, bah oui, mais bravo. Alors, oui, mais non. Ça va pas le faire, il va falloir que je refasse ça. D'abord, il faut que je place. Cela. Alors, normalement, comme ça devrait fonctionner. On en place un là. Allez, puis un ici, ça ira très bien. C'est pas super droit, mais bon, ça va fonctionner. Et hop, au sol. Pourquoi s'emmerder? J'aimerais juste. Ah, bah, il est juste là, je pense. Ok, allez, on monte ça directement. C'est bon. Longueur supplémentaire. Ouais, on peut aller loin comme ça. On peut même en ajouter d'autres, je suppose. Histoire d'aller bien loin. Alors là, c'est juste la partie test. Par contre, il ne faut peut-être pas de trucs que j'exagère là. Je suis déjà en train de faire n'importe quoi. Bon, c'est dommage, je voulais faire, hein, mais là, faut que je gagne quand même un petit peu. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, on va aller chercher le blé, le houblon. J'ai chopé pas mal de graines de houblon d'ailleurs. C'est très, très, très pratique. On va pas passer par en bas, je passe jamais par en bas. Je vais pas vous dire pourquoi. Hein. D'ailleurs, il va vraiment falloir. Mais il y a un event ça du coup pour dimanche normalement. Et puis j'aurai besoin d'un drapeau de libre. Donc je vais. Je suis venu pourquoi ici déjà? Ah oui, pour les graines. Où se trouvent les graines?
Graines de pavot. Bon, j'en ai 228. Franchement, je pourrais peut-être en faire. Mais normalement, je devrais avoir des graines de blé. Où est-ce que j'ai foutu ces graines? Non, c'était pas là. Ah, ça devait être par là, je pense. Ici. Non, ils sont passés où mes graines là? On les a volées ou quoi? Putain, et. Ah, c'est une plaisanterie. J'avais plein de graines, des graines de fougère, etc. là. Et d'ailleurs, je suis toujours pas passé à ma base. Hein. Là, et puis c'est peut-être là-bas que j'ai toutes mes graines. Oh là 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 là, me faites pas ce coup-là. Là, mais non, je comprends pas, je suis pas fou. Ça, c'est des légumes, ça, c'est des graines de fougères. Je m'en fous des fougères, moi. Bon, 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 bon. Mais c'est non, non, mais je suis sûr que j'en ai. Puis si j'en ai plus, bah non, mais en fait j'en ai peut-être pas. Ah, c'est con. Bon, c'est pas grave. Allez, on va planter le pavot. Enfin, le pavot, pour le houblon, quoi. Allez, 114, c'est largement suffisant. Peut-être que je pourrais me permettre aussi de prendre un petit peu d'engrais, histoire de. Peut-être que ça peut aider. J'en ai jamais utilisé encore de l'engrais. Je sais même pas comment ça fonctionne. Et ben, on va aller voir ça. Peut-être que. Bah non, je crois qu'il faut tout simplement poser dans le. À l'intérieur, tout bêtement, je crois. Si je fais ça, par exemple, et puis que je fasse ça, juste pour voir d'abord. Fertilité 250. On peut pas. Ah. Si je fais ça. Fertilité 6750. Bon, on est d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout bêtement, du coup, les graines. 6. Là-bas, c'est peut-être pas arrosé, donc ouais, je sais pas. Ouais, je vais m'en faire. Hein. Je vais m'en faire. Et après, je vais pouvoir me faire, mais je vais me faire une sorte de grosse ferme. On va voir si ça fonctionne. Bon, je voulais faire sur plusieurs étages, mais après, il n'y aura plus la lumière du soleil, donc vaudrait peut-être mieux pas. Je vais faire exactement la même chose, mais avec les énormes. Les très grandes parcelles de culture. Parce que là, je vais en avoir besoin. Ok. Du houblon, j'en aurai. Je vais pouvoir me faire de la bière, mais par contre, je vais avoir besoin de blé surtout. Et pour ça, je vais aller chercher juste après, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, en œuf. On a combien? Voilà, à 37 minutes, donc non, j'aurai pas franchement le temps. Et puis, il faut que j'aille récupérer un petit peu tout ce que j'avais laissé justement à ma dernière base. Il y avait de quoi faire. Ouais, en plus, c'est joli, je trouve, franchement. Ça fait pas un petit style là, quand même? Ouais, je vais prendre la photo, mais je pense que je vais la reprendre quand il fera un petit peu plus jour, parce que de nuit, malheureusement. Eh ben voilà! Donc il y en a un quand même qui a l'hélicoptère. Il y en a qui sont quand même bien avancés, mais j'ai vu que certains. Est-ce qu'il y en a un qui essaie de me tirer dessus? Attends voir. Et il y en a un qui essaie de me tirer dessus. Et dis donc, il y a un petit malin par là. Ah ouais, mais attends, il y a mes tourelles qui devraient fonctionner là. Attends, on va se planquer vers les tourelles. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'atterrir. Ouh, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Mais l'autre était sur le toit, donc je sais pas si c'est un bug. Sur le toit directement. Je sais
pas s'il m'a vu. Ah ouais, il me tire dessus. Il est sur l'hélicoptère ou... Moi, je suis un peu plus protégé que lui, hein. Allez, gaffe de pas trop vous approcher quand même. Mais donc oui, donc il faudra que j'ajoute des tourelles aussi de ce côté. Quand même. Mais l'autre truc, il a essayé de me tirer dessus quand même, donc... Il y en a un, juste pour savoir quand même. Parce qu'il est bien, il est bien dessus quand même, hein. Bah oui, il regarde mes vidéos, donc forcément, ça bouge suit. Ouais, c'est juste pour savoir. On les voit bien à distance tout de même. Attendez, vous savez quoi? J'ai encore une tourelle, j'ai encore trois tourelles à placer là. Alors, bah d'ailleurs ils vont sûrement regarder la vidéo. Donc merci en fait de me montrer un petit peu comment ça se passe. Vu que j'ai trois tourelles et puis bah, j'ai juste deux emplacements ici. On va vite placer ça. Donc là j'en avais un. Normalement je peux en placer encore deux, c'est parfait. On va vite. Ah mais par contre j'ai. Ah si j'ai de la mine. D'abord on va faire ça. Attaquer un hélicoptère. Eh oui, je suis sur la fin de ma vidéo là actuellement. Sur la fin. Alors, tac. Ah ils ont hâte de voir ça, je suis sûr. Ah mais attendez, mais je suis con, j'applique même pas. Et j'ai même pas appliqué. C'est pour ça que ça tire pas. J'ai dit que c'était fonctionnel, mais j'ai. C'est comme si j'avais menti, c'était pas voulu, mais. Bon, attention, maintenant c'est fonctionnel, hein. Ouais, je vais faire un tour sur Discord. Toc, cette fois-ci j'applique. Mais juste pour être sûr, parce que. Oui, c'est bien, ça c'est bon. L'autre c'était bon, je crois aussi. On va juste faire celui-là. Et celui-là, par contre, il va falloir que je les alimente rapidement. Appliquer. Est-ce que j'ai bien fait appliquer ici? Je sais plus. Je fais des trucs, mais c'est tellement automatique que je sais plus exactement ce que je fais. Du coup. Là, j'avais juste à tirer les câbles. Normalement, c'est tout bon. Alors, 60, 45, 45. Et donc, c'est bien cela. Hop. Hop. Non. C'était celui-là. C'est un peu chiant, par contre, quand on ne voit pas les câbles. Et puis là, de toute façon, j'ai pas en ajouté d'autres. Donc, ça devrait jouer. Toc. Toc. Puissance suffisante par contre. Tu n'as pas la munition. De la munition, en veux-tu, en voilà. Alors ça. Et puis, ça c'est bon. Juste pour voir s'il y en a qui ont tiré. Non, pas du tout. Ok, c'est parfait. Et puis je vais devoir également
Parce qu'il y a l'autre qui est caché. Et d'ailleurs, il va falloir que j'en cache aussi un petit peu. Et que j'en place un petit peu ailleurs. Donc pour le moment, je ne suis pas vraiment sur une bonne défense, honnêtement. C'est normal. Par contre, je sais pas s'ils s'approchent. Et je ne connais pas vraiment leurs intentions exactes, hein. Et il y a des choses sur moi que j'aimerais qu'ils restent sur moi. Du coup, je disais quoi moi? Vous voyez? J'ai envie de faire quelque chose, j'oublie de direct après. Aïe 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 aïe. Merde. Je vais faire un truc que j'ai oublié quoi. Bon, c'est pas grave. On a combien? On a 45 minutes. Ouais, je peux faire encore 5-10 minutes vite fait. Attendez voir. Juste que je me souvienne de ce que je voulais faire quand même, merde. J'étais là-haut, j'avais dit que je devais faire quelque chose vite fait. Ou pas, je sais plus. Ah, c'est dingue, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Écoutez, juste pour voir quand même si ici ça pousse rapidement ou pas, ça a l'air hein, quand même. Hydratation, on est trop en hydratation par contre. Beaucoup trop. Est-ce qu'on peut régler ça? Non, on peut pas, hein, c'est que des destructions. Bah oui, mais bon. Je tire pas, je sais même pas où vous êtes. Ah bah oui, ils sont là-bas, tire pas, bah je suis désolé, mais si vous voulez, je vous rembourse, mais au moins je vois que ça fonctionne. Allez, je leur rembourse si jamais. On est tous en test, hein. On regarde un petit peu comment ça fonctionne. C'est aussi des personnes qui tentent le. Enfin, qui c'est la première fois qui essaient le jeu. Donc, forcément, je fais en sorte de. Tout le monde regarde un petit peu comment ça se passe. Moi, je regarde aussi. Je vois maintenant que ça tire. Donc, ils sont pas loin. Moi, je sais qu'il va falloir que je place des tourelles un petit peu partout également. Et puis voilà, écoutez, on a 47 minutes. Là, je vois que j'ai pas grand chose à faire. On va quand même aller faire un tour et puis voir. Et en plus, ce qui est pas mal, alors c'est bien pour eux aussi pour ça, pour l'approche. Parce qu'ils sont vachement discrets. Par contre, mes tourelles, eux, ils voient très bien d'où ils viennent. Ils pourront pas vraiment tirer comme ça. Hein. Donc j'avais vu que ça tirait par là-bas. Je retire pas dessus, hein, mais ah, non, ils ont hélico bousillé. Si c'est le cas, je leur rends direct, hein. Ah bah ok, ils sont là-bas. Bon ça va, ils me tirent pas dessus. Moi X-Trail non. On verra l'autre. Ok, parfait. Bon ça va, ça tire pas si loin que ça. Heureusement, bon, de toute façon, c'est comme. Il est dans quel état? Je sais pas si je peux voir moi dans quel état il est. Non. Non, on peut pas voir. Ah bah si, 2500. Ouais, ça va. Ça va, leur corps à bel état. Je pense qu'ils ont dû fouiller ici. Ah oui, du coup, mais comment? Ah oui, mais moi aussi, je suis monté sur un hélico. Je sais même plus comment, mais par ici. Hein. En fait, ils montent là. Et puis après, ils montent directement là-haut. Par contre, je commence à avoir faim et soif. En tout cas, bah, bienvenue par chez moi, hein. Et puis je vous conseille en tout cas de ranger l'hélicoptère une fois que vous avez, une fois que vous le rentrez à votre base.
Ben c'est bien, au moins ça avance. Je sais plus à quel niveau c'était pour l'hélicoptère en fait. Je sais que X-Ray, en tout cas, il s'est groupé avec quelqu'un. Iflo, je sais pas exactement. Et puis, voilà. Attention. Hein. Mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est sympa. En tout cas, ils savent, tout le monde sait où je suis quasiment, donc. Voilà, quoi. Bon, moi j'ai aussi un moyen de savoir où ils sont, hein. Je me téléporte vers eux puis je vois directement leur base. Mais c'est pas vraiment mon but. Mais là-bas, je vois qu'ils ont installé un sac de couchage, hein. Et ça appartient à qui? X-Trail. Ah ouais, c'est au cas où, ouais. Je vois qu'il y a une préparation, hein. Allez, bon écoutez, ça fait quoi? 51 minutes bientôt. Je vais m'arrêter là. En tout cas, il y a de l'avancement. Ce week-end, j'aimerais pouvoir avancer aussi un petit peu ma base. Malheureusement, je n'ai pas énormément de temps. Je suis en discussion là pour un nouveau travail. Et puis, il va falloir que j'examine certaines petites choses pour mon prochain entretien, qui va être quand même assez important et surtout décisif. Donc il faut absolument que je me concentre là-dessus. Donc malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps pour améliorer tout ça. Mais je vais pouvoir faire quand même certaines petites choses. Surtout la protection de cette tour-là. La tour suivante, il va falloir aussi que j'augmente la taille en hauteur, qui puisse quand même attaquer un petit peu sur les environs. Ici, je vais voir si je vais pas aller aussi un petit peu plus haut, peut-être refaire encore après les éoliennes, aller un tout petit peu plus haut. Je vais peut-être également faire un, voire deux murs supérieurs, histoire que si je me fasse attaquer, parce qu'ici, c'est là où j'ai tous mes stockages, de toute façon, vous le savez, hein, voir comment est-ce que je vais pouvoir protéger ça. Ici, j'ai juste mon lit. Je vais peut-être pouvoir ajouter quelque chose également. Peut-être me faire une petite pièce ici. Je vais voir en fait tout ce que je vais pouvoir faire. Mais voilà. Ici, par contre, c'est là où j'aimerais me faire la plus grande culture. Il y aura une très grande culture ici. Je vais pouvoir également ajouter une pompe à eau avec de quoi pouvoir remonter la flotte jusque-là et me faire quelque chose quand même d'assez sympa, on verra bien. Cette zone-là également, il va falloir que je la protège massivement. Il va y avoir des tourelles également ici. Mais en tout cas, là, c'est bien protégé quand même. C'est bien entouré, c'est bien protégé. Ils ont dû le voir, ils ont dû le constater. Ils se sont dit, il va falloir être préparé quand même. Et encore, vous avez rien vu, hein, parce que ça, c'est qu'un début. C'est qu'un début, vraiment. Et bon, là, de toute façon, c'est très simple. Une fois que vous avez un hélicoptère de combat avec des missiles, et ben vous butez, enfin vous détruisez tout simplement les éoliennes et puis ils seront plus en fonction. D'ailleurs, c'est justement pour cette raison que les batteries seront très utiles. Donc là, les câbles, je vais quand même les faire passer par des batteries. Et ensuite, comme ça au moins, il y aurait peut-être une certaine protection. Et puis les batteries, je vais les mettre au sol. Voire même peut-être faire quelque chose ici. Bon, ça m'obligerait à déplacer ça, mais quoique. Vous savez, là, je vais mettre des murs un peu autour également, avec une petite protection en dessus. Et mettre des batteries en dessous, que ce soit protégé, pas en dessus. Parce qu'après, ça va être un peu simple avec un hélicoptère de combat de détruire les murs et de détruire tout ce qu'il y a dedans. Et vu que les batteries actuelles sont au même niveau que les tourelles, c'est pas très judicieux, c'est pas très judicieux, quoi, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, je vais pouvoir en parler pendant des heures, mais ça servirait à rien. Comment ça, Coquelicot? Pavot. Alors, écoutez, pour la période de protection, obtenir un grand bon dégât. Ouais, d'accord, mais c'est. J'espère quand même que je récupère ce que je souhaite, hein. Du houblon, quoi. On verra bien. On verra bien. Allez, je vous laisse ici. Aujourd'hui, est-ce que c'était intéressant? Je sais pas pour vous. Pour moi, ça m'a permis quand même un petit peu de continuer ma base. Et puis voilà, quoi.
On verra pour la suite. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!